C'est vrai que ces 2 années que j'ai passées à Bercy, c'est des années de fierté. Vous savez, comme ça, quand on se retrouve au ministre des Finances, on a des leviers d'action, on fait des choses passionnantes, quelques-unes dont je suis assez fier. L'ancien député de Sochaux que je suis est fier d'avoir contribué au sauvetage de PSA en faisant entrer l'État et la Chine au capital de cette entreprise, ou encore d'avoir contribué au sauvetage des chantiers de STX à Saint-Nazaire, pour parler des sujets microéconomiques, tout de même d'une certaine taille, ou encore fier d'avoir créé la Banque publique d'investissement. J'ai passé 2 jours sur le terrain à Toulouse et à Montpellier hier et avant-hier, et j'ai vu à quel point ça permettait de renforcer nos entreprises, d'autres choses encore. Mais franchement, du point de vue, comment dire, de la vie quotidienne ou de l'action publique, mes années à Bercy ont peut-être été ce que j'ai fait de plus pénible dans ma vie politique.